Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui sera cette fois-ci assez courte, qui est basée sur nos souvenirs d'enfance et des autocollants. Je vous montre ça tout de suite. Quand on était petit, on allait à la boulangerie et on achetait des chewing-gums. Vous vous souvenez, les fameux chewing-gums où dedans on avait droit à ce genre de choses. Eh oui, un chewing-gum, un autocollant. Voilà. Donc là c'est la série des MacGyver, vous voyez. Eh oui, il était comme ça à l'époque MacGyver. Donc là j'en ai quand même quelques-uns que j'ai conservés. Puis on faisait des échanges avec les copains. Hey, t'as celui-là, attends, donne-moi, moi j'ai pas celui-là, je te le donne deux comme ça et tu m'en donnes un comme ça. Voilà, ça c'était la collection des MacGyver. Alors, je ne sais pas si certains en ont encore des comme ça. Vous voyez, ils sont encore à moitié pliés de l'état. Donc ils ont 30 ans, ces autocollants. Voilà, vous voyez, MacGyver. Non, ne joue pas avec l'élastique. Il y a mon chat. Et le chat va toujours jouer avec l'élastique. Par contre, vous voyez que ça a pris un peu la poussière parce que j'ai les doigts qui commencent à noircir. J'enchaîne les vidéos, bien sûr. Le même jour, j'ai tourné la vidéo sur les panini et sur les vaches qui rient. Donc, forcément. Donc, ça, c'était MacGyver. Mais on avait aussi droit aux Tortues Ninja. Donc, je ne vais pas enlever l'élastique, juste vous montrer comme ça. Vous voyez, Tortues Ninja. Hop. Même si ça me paraît bizarre que ce soit une tortue. Non, touche pas l'élastique. On va enlever l'élastique. Voilà. Donc, Tortues Ninja. Tortue Ninja, ça c'est pas Tortue Ninja ça, je sais pas ce que c'est, ça non plus. Ah, ça c'est les Cosmics, petite dédicace à Ghostplayer. Non, tu joues pas avec l'élastique. Les fameux Cosmics, on avait des figurines comme ça. Donc voilà, ça, c'en est quelques-uns d'autres. Je vais essayer de remettre mon élastique. Oui, à l'époque, on n'était pas sponsorisé par Colgate ou autre, hein. Les chewing-gums on en mangeait. Mes sœurs étaient fans d'Hélène et Garçon, comme vous l'avez su. Hein. Donc voilà, pareil, j'ai encore pas mal de petites autocollants Hélène et les garçons. Voilà. Et pour finir, vous voyez, vidéo très courte. Hein. On avait Baywatch, j'en ai juste un. Et ceci. Alors ceci, par contre, je m'en souviens pas du tout. Du tout, du tout. Et j'en ai plusieurs. Hein. Voilà. Je sais pas du tout ce que c'était. Je crois que c'était... Ah, attendez. Hop, je viens de voir un autocollant bizarre. Ah bah là, il y a des formes dessus, mais je me souviens pas du tout. Si vous connaissez, dites-moi, m'intéresse. Parce que je m'en souviens pas du tout. Ah, ne touche pas. Je me souviens pas du tout de cette série. Et pourtant, je les ai gardés. Donc si je les ai gardés, c'est que ça comptait pour moi. Et l'heure d'aujourd'hui, je m'en souviens pas du tout. Bref. Voilà, c'était juste les quelques... autocollants que j'ai conservé de l'époque où on avait des autocollants dans les chewing-gums. Les Malabar, on avait des Colcomani, et là, on avait des autocollants. Donc, Hélène et les garçons, Tortue Ninja, MacGyver, Baywatch, Hélène et les garçons, tout ça, c'était bien au chaud dans ma petite boîte à autocollants. Et ils y retournent. Voilà. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, parce que si vous voulez des souvenirs, j'en ai encore pas mal à vous montrer. Hein. J'ai plein de choses, des souvenirs, j'en ai beaucoup. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, ciao!